Ah, le micro marchait pas? Non, il marchait pas tout à l'heure. Ah, ok, je parlais pour rien en fait. Merci. Ouais, du coup, bah, qu'est-ce que je disais? Je disais comme quoi on n'a pas trop pour habitude de voir des Yoshi, donc ça fait plaisir. Qui plus est, un Yoshi bleu. Elle est chouette cette couleur. Il y a le rouge, le bleu, après il y a le neutral qui est sympa, et puis après il me semble qu'il y en a un en rose aussi. Ouais. Et un jaune peut-être, si je ne m'abuse, mais je suis pas sûr. Enfin. C'est pas la couleur qui fait le niveau, mais bon, là il s'attaque à un gros poisson, ce cher Chaos X, parce qu'il joue contre Raoul, qui est vraisemblablement top 3 des meilleurs joueurs français. C'est pas top 3 parisien, c'est top 3 français, donc voilà, c'est chouette. Et pour l'instant, ça démarre sur les chapeaux de roue, plutôt sympathique, un petit front air comme on aime, petits oignons, mais Victor qui répond assez rapidement avec un double shine. Il le poursuit, Drill Shine. À savoir que le petit Victor devrait avoir un petit boost de level par rapport au dernier tournoi où on a été amené à le voir. Parce que je suis pas totalement sûr, mais je crois qu'il a des notches. Je sais pas si ça te parle. Ouais, les notches, je crois que c'est assez pratique pour shield dropper. Ah, mais c'est pro par rapport à UCF, c'est pas vraiment ça, surtout qu'il. Parce que ça change rien, tu sais, avec UCF, tu as directement le shield drop qui est facile. T'es pas obligé d'avoir un repère physique pour l'angle, non? Ouais, mais je crois que t'as même pas besoin en fait. En gros, t'as une manière de le faire grâce à UCF qui permet justement de pas se prendre la tête avec ça. Okay. Enfin, après, je sais qu'ils le font comme ça, leur shield drop, les joueurs avec qui je parle, généralement. Mais non, c'est surtout au niveau des web dash. Tu vas voir que Victor va faire des web dash qui sont très très longs. Il va très loin, même les ledge dash, tu vas voir qu'il va beaucoup plus loin que d'habitude. Et pour ça c'est plutôt cool. Regarde, comme tu peux voir, je sais pas, les wave chain, t'as pas l'impression qu'il va plus loin que d'habitude. Regarde. Ils disent bien, regarde. Mon gars, il y a de la glace. Il a mis ses plus beaux patins. Un petit Raoul à Nice. C'est ça, ouais. Sinon, il y a un film qui est trop bien, je sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle Blades of Glory, avec Will Ferrell. Une culture cinématographique qui est vraiment nulle pour le coup. Ah merde, bon bah écoute, si un jour tu te fais chier, tu regarderas ce film sur le patinage artistique, mais en mode humoristique, c'est un jeu genre comédie américaine, mais c'est vraiment drôle, c'est pas genre cucul comme. Enfin c'est pas cucul, mais c'est pas genre Golio comme Scary Movie par exemple. C'est vraiment sympa. Pour l'instant 3 stocks déjà. Et Victor qui pourrait profiter de cet avantage en faisant des lasers, mais finalement il le fait vraiment. Il me fait démentir. Mais pour l'instant il est solide. C'est oh, les Shine Auto Shield, il les a bien travaillés, il m'a dit. Ouais. Ok. Écoute, merci Michel d'être passé. C'était assez rapide pour cette première game. Attends, il y a déjà des télés. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, c'est Stav S4E9. Et bah, game 2 entre Raoul et Chaos X. Alors, bon, bah, compliqué, hein, Yoshi. Finalement, pas si compliqué que ça. Hein. Il commence à prendre un avantage sur une petite partie de cette game 2. Mais voilà, il a des. Là, je suis sur le bord de mon siège. Il a beaucoup de choses à revendre. Visiblement, Chaos X, il a. Des bonnes. Comment dire, une bonne vitesse, un bon rythme. On va voir, hein, parce que c'est vrai que contre Raoul, notre meilleur joueur parisien, bah, c'est un peu compliqué. Et ça va, petit reverse nair, allez, ça passe, hein, 113% pour. Le sexe pourrait partir très vite, mais. Oh.
Alors je sais pas si c'est le buff Yoshi sur Yoshi's. Parce que pour l'instant, c'est pas trop mal, ouais. Là c'est un petit peu compliqué ce side B. Jamais. Oh border. Oh là 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 là. Pardon, excusez-moi Chaosex. Ah, j'ai vraiment cru qu'il allait réussir à prendre la stock là-dessus. Oh, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'il a genre Backyard contre le Bear, c'était assez incroyable et il met vraiment c'est chaud les sortes de string qu'il a à certains moments et il faut vraiment se protéger et être sur la défensive pendant longtemps. Et mine de rien, voilà, hop, encore une stock prise hein, Chaosex là qui prend tranquillement ses aises permettent de faire une attaque rodéo sur Randall. En tout cas, tout à l'heure on parlait de Raoul on ice, et bah Chaosex lui aussi, hein, il nous montre qu'il glisse bien. Ouais, down tilt. Ouais, pareil, je savais pas que leur forward air down tilt ça pouvait faire mal comme ça. Et il a failli prendre la stop d'ailleurs tout à l'heure comme ça. Ouais. Aïe aïe aïe. Bien voulu ça. Oh là là, c'est... ça fait plaisir en fait de voir un Yoshi, c'est tellement bizarre au niveau de comment ça se joue. Cette armure sur le double saut, et du coup, ça, c'est. Je sais pas si vous avez vu, hein, il est passé à travers le upper de Raoul. Il se l'est pris, mais du coup, Raoul, lui, qui est encore sur son upper ascendant, bah, Chaosex, lui, était sur la descente et bah, a pu plus facilement venir au sol et essayer de choper un avantage. Mais bon, du coup, dernière stock déjà pour Chaosex sur cette game 2. Alors, à voir, hein, mine de rien, avec un Raoul à 88%, je sais pas quel string nous va nous faire. Un petit enchaînement bien sympa, histoire 2. Allez, c'est trop bien vu, Raoul qui a la bonne patience là et qui chope du coup le upper. Encore un upper fort en l'air et c'est compliqué hein, de revenir sur la plateforme comme ça. Très joli deck de la part de Chaosex, il se défend grave, il se défend vraiment énormément. Hein. Raoul qui est là et qui de tout à l'heure met des coups. Mais Chaosex là, qui continue, qui n'abandonne pas. Aïe aïe aïe, cette esquive aérienne, c'est son grave du coup. Sur un 2-0 pour Raoul.